Bonjour, ici Sotopom. J'espère que vous allez bien. La recette d'aujourd'hui, c'est travers de porc au four, épicé et non épicé. Bien grillé et réduit encore dans la sauce, ces plats conviennent parfaitement à toutes les occasions. Voici les ingrédients. D'abord, non épicé à la sauce soja. Marinons la viande. Là, j'ai 1 kg de travers de porc. Lavez simplement la viande et séchez-la à l'aide de papier absorbant. Pas besoin de pré-cuisson, juste coupez comme ceci. Vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker. Merci beaucoup. Mettez 7 cuillères à soupe de sauce soja, 1 cuillère à soupe d'ail en poudre, 1 cuillère à soupe d'oignon en poudre, 1 cuillère à soupe de jus de gingembre. C'est encore congelé, mais ce n'est pas grave, ça va fondre rapidement. 1 cuillère à soupe de sucre, 3 cuillères à soupe de matsoul, mirin, 1 cuillère à soupe de mélasse de grenade. Poivrez généreusement. Mélangez-les bien. On va les mariner une nuit ou au moins quelques heures comme ça. J'ai mis de l'ail et de l'oignon en poudre parce que ça brûle moins au four. Mettez 2 feuilles de papier de cuisson. Mettez les travers de porc bien marinés. On garde cette sauce pour plus tard. Ne la jetez pas. Mettez-les au four réglé sur 250 degrés sans le préchauffer pendant 25 minutes à la mi-hauteur. 25 minutes après, retournez la viande, baissez la température à 120 degrés, laissez encore 12 minutes. Il faut bien surveiller. Hein? Si la quantité de viande change, le temps de cuisson change aussi. Les piments, c'est surtout pour la jolie couleur, mais ça, c'est purement facultatif. Mettez plutôt une tige d'oignon, pas découpée. Moi, aujourd'hui, c'est des piments, voilà. Quand c'est tout bien grillé comme ceci, vous pouvez les manger tels quels. Mais je vous montre une étape de plus avec la sauce. Mettez le fond de la marinade, 100 ml d'eau, 100 ml de vin blanc. Mettez 1 cuillère à soupe de mélasse de table. Faites-les fondre. Quand ça commence à bouillir, mettez les travers de porc déjà bien grillés. Maintenant, réduisez la sauce à feu fort. Quand c'est tout bien réduit, éteignez le feu. Mettez les piments ou les oignons tiges découpés. Enfilez d'huile de sésame. Poivrez. Et ajoutez les graines de sésame. Voilà les travers de porc à la sauce soja. Maintenant, la version épicée au gochujang. Je vais mariner cette fois avec ce gochujang. Voyons voir. Une grande cuillère à soupe fait 50 g. Je ne mets que une cuillère à soupe de sauce soja, le reste la même chose. Il faut pas louper le changement d'épices. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, merci. Et je vais ajouter une cuillère à soupe de vinaigre, ça se marie bien avec le gochujang. Mélangez bien, laissez mariner une nuit ou au moins quelques heures. Un oignon tige, pas coupé comme ceci. Gardez le fond de marinade. 250 degrés sans préchauffer pendant 25 minutes à la mi-hauteur. Après 25 minutes, retournez-les. Baissez la température à 120 degrés, encore 12 minutes. Il faut toujours surveiller. Vous pouvez toujours les manger tels quels.
le reste de la sauce, 100 ml d'eau, 100 ml de vin blanc, une cuillère à soupe de mélasse de table. Ajoutez une cuillère à soupe de poudre de piment, gochugaru. Pas découpé. Un filet d'huile de sésame. Poivré. Des graines de sésame. Voilà les deux plats de travers de porc. Bon appétit! Merci beaucoup!